est question ici d'une rencontre que je peux qualifier de fortuite entre la littérature congolaise et la littérature belge. Mais c'est une rencontre entre deux générations. Un très jeune écrivain belge qui a choisi la RDC pour le lancement de son tout premier roman. Nous allons savoir pourquoi ce choix. Et un autre détail est que il a lu le roman d'un Congolais que je suis. Moi, j'ai lu son roman, jeune Belge qu'il est. Et nous allons essayer d'avoir un entretien à bâton rompu sur ce qu'il a compris de mon livre et c'est ce que moi aussi j'ai compris de son livre. Voilà, sans tarder, on y va avec Charlie Desmoulins. Alors Charlie, la première question qui me vient à l'esprit, c'est que malgré tout ce qu'il y a comme information au sujet de la RDC, il y a d'abord la guerre à l'Est, l'insécurité, et il y a aussi le monkeypox qui vient de, d'envahir. Vous avez choisi la RDC comme premier lieu de lancement de votre premier roman. C'est pour quelles raisons avez-vous choisi notre pays, malgré tout ce qu'il y a comme mauvaise nouvelle? Oui. Moi, j'ai choisi Kinshasa plus que la RDC. Oui. Parce que c'était une ville que je ne connaissais pas du tout. Et en Belgique, paradoxalement, on en parle très, très, très peu. Ok. Et je trouvais ça dérangeant de ne rien connaître sur une ville comme Kinshasa. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je voie de mes propres yeux, quoi. Et puis oui, très vite, j'ai été confronté à des proches ou à des informations qui me disaient « Ah, Kinshasa, c'est dangereux. Ah, Kinshasa, il y a ça. Oh, il y a les réfugiés de la guerre. Il y a ça, il y a ça, l'insécurité, blablabla. » C'est ça. Mais je me suis bien renseigné. J'ai vu aussi les bonnes personnes. Et puis aussi, je me suis méfié en fait de cette peur européenne, de ce... L'Europe, comme pour se protéger ou je sais pas, mais souvent a peur de l'étranger. Elle est presque profondément xénophobe, l'Europe. Et comme si elle empêchait les gens de voir d'autres réalités. Voilà, un peu. C'est ça. Bon, j'exagère un petit peu, mais y a, je pense qu'il y a du vrai dedans. Et donc moi, je me suis dit, non, je vais essayer de laisser ça de côté et de moi faire ma propre expérience. Mais j'ai bien préparé le voyage pour justement ne pas me retrouver dans une ville que je connais pas, seul. Donc c'est pour ça que j'ai rencontré l'espace Massolo d'abord, et puis d'un coup il y a La Vie est Belle ici, avec Eddie Ekété, et puis que j'avais déjà dans mon téléphone pas mal d'adresses ici. Comme ça je savais que je venais en terrain safe, quoi, au moins. Sur le plan familial, quelle a été la première réaction des parents, maman et papa, quand ils ont appris que vous venez De la surprise, je pense, de l'appréhension, et puis de la confiance, parce qu'ils ont vu que je gérais, que je préparais mon voyage, et puis qu'ici ça se passait très bien. Donc là maintenant ils sont confiants, même si je pense qu'ils sont contents que je rentre aussi. D'accord. Parce que c'est sûr que c'est différent. Mais... Est-ce le premier pays africain que vous visitez? Ouais, carrément. Ok. C'est la première ville africaine. Lorsque nous nous sommes rencontrés, comme par hasard, vous avez lu mon livre, et puis moi j'ai lu votre livre. Mais dès le départ, il y a une coïncidence. Vous nous décrivez, ici c'est très difficile de tutoyer quelqu'un, un visiteur. J'ai vu. Ouais, c'est jamais le... Même si tu me tutoies, ça ne me gêne pas. Mais de temps en temps, je vais te vouvoyer, et puis ça va se mélanger. Alors... J'ai compris. Oui. Il se fait que nous décrivons, nous deux. Toi, tu nous décris, je peux dire, la face cachée. Parce qu'ici, chez nous, la Belgique, telle que nous la connaissons, c'est dans les livres de géographie. Le roi Léopold II, Reine Fabiola, etc.
Mais ce que vous venez de nous dévoiler dans votre livre, c'est tout à fait inconnu et inimaginable ici au Congo. Ouais. Alors, moi j'aimerais aussi que, après avoir lu mon livre, tu me dises aussi ce que tu as trouvé et que dont on ne parle pas en Belgique. C'est-à-dire, quelle est l'image de la RDC que tu avais avant de venir ici et que tu as été surpris de trouver d'autres faces cachées, comme moi aussi, dans mon livre, voilà. Donc, comme j'ai dit au début, en Belgique, on ne sait que très 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 peu de choses sur la RDC. Rien qu'au niveau colonial de base, on ne nous apprend rien ou très peu. Rien du tout. Allez, on a quelques petits cours d'histoire, mais ça reste dans la surface. Kimpavita, on n'a jamais entendu parler. Kimbangu non plus. Lumumba. un petit peu quand même, mais bon, on est vraiment sur quelque chose de superficiel. Donc moi, je suis arrivé ici en ayant aucune ou presque aucune connaissance, disons, du Congo, un peu de son histoire, parce que j'avais lu un ou deux livres, mais c'était vraiment léger, donc moi je n'avais pas trop d'images préconçues, quoi, en fait. Et donc moi, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que déjà, c'est arrivé un moment où je commençais à connaître un petit peu Kinshasa. Donc certains noms ne m'étaient plus étrangers. Les noms de communes, de ronds-points, etc. Et donc en fait, c'était vraiment un plaisir de retrouver ces noms-là dans un livre. Et puis moi, j'aime beaucoup les livres qui marchent. Oui. C'est un livre qui marche. Oui. Le personnage, au sens littéral, quoi, le personnage se déplace dans la ville et découvre « Oh, tiens, là, il y a ça. Oh, là, il y a un fou. Folle. » C'est comme le tien aussi. Il marche beaucoup, hein. Il marche beaucoup aussi, ouais, le personnage marche beaucoup aussi. Moi, je trouve que dans la marche, en fait, on décrit plein de choses. On décrit en même temps l'environnement qui bouge, en même temps, le personnage qui bouge. Oui. Il y a vraiment quelque chose de particulier qui se joue, je trouve, lorsqu'on écrit la marche. Une petite question intéressante. Ouais. Est-ce qu'il y a... Dans quel cours est-ce qu'on apprend l'histoire du Congo, par exemple, chez vous? Il y a un cours spécifique ou bien... Non. Mais alors, je vous dis ceci. Ici, chez nous, on nous bourre le crâne avec l'histoire de la Belgique. Hein. Ah ouais. Oh là là, nous connaissons tout. Hein. Je suis pas surpris d'apprendre que là-bas, on vous lance seulement des petites phrases sur la RDC, sur Lumumba, peut-être. Et nos ancêtres populaires ici, comme Kimbangu, comme Kimpavita, hein, tous ces gens-là, on ne vous en parle pas en Belgique, non, dans toute votre jeunesse. Non. Nous, on nous parle dans le cours d'histoire. On a peut-être 2 heures ou 4 heures sur l'année sur le Congo. Non, c'est dramatique. C'est dramatique. Et c'est tellement désolant de voir qu'aussi, donc du coup, par contre, les étudiants congolais... Qui viennent là-bas. Oui, et même les étudiants congolais au Congo en apprennent beaucoup sur la Belgique. Oui. Alors que, comme d'habitude, à l'inverse, c'est pas le cas. Donc c'est. Mais non. C'est dur. Moi, votre personnage est très jeune. Mon personnage à moi. Il n'a pas d'âge, hein. Ton personnage n'a pas d'âge, mais on sent qu'il est jeune. Okay. Quand on lit. Par son comportement. Mon personnage, il est déjà âgé. Ouais. Mais nous décrivons tous deux situations, hein, dans nos deux pays qui sont, je voulais dire, cachées. Parce que vous savez aussi le défaut de nos écrivains qui parlent de la RDC. Ils aiment bien parler de Kofi Olomide, de Papa Wemba, de JB Piana, etc. Si on vous parle des grands lieux, c'est le boulevard du 30 juin. On vous parle de l'hôtel Memling, Inter, etc. Mais moi, j'ai choisi de parler du petit peuple qui vit à Kinshasa. Comment il lutte pour survivre. Et des événements qui se passent, hein, à la cité et dans les situations de tous les jours. Toi, tu as parlé d'une jeunesse très turbulente de la Belgique et des quartiers dont on ne pouvait pas s'imaginer que ce genre de quartier existe en Belgique. Des quartiers défavorisés. Alors, la question est celle-ci. Est-ce que le personnage et l'atmosphère
que tu décris dans ton livre est connue par la population belge en général, par la grande population belge, par la majorité, ou bien c'est la face cachée? Je ne sais pas trop, parce que j'ai pas demandé à la grande population belge c'est ça. La réponse. Par contre, je pense que, en tout cas, tout le monde sait qu'il y a des déviances et qu'il y a des comportements plus extrêmes, que ce soit en Belgique ou au Congo. Je pense que partout tout Congolais, monde. Tout Congolaise, tout Belge, oui, oui. Tout Français, même tout Française, se doute qu'il y a des faces cachées, des endroits qu'on ne connaît pas, oui, oui. Où il se passe des choses qu'on ne connaît pas. Mais par contre, c'est vrai qu'en parler dans la littérature, dans les films, je crois qu'il y en a, un pas peu. Mal. Et même dans la littérature, il y en a quand même. Mais c'est un peu plus rare, mais je pense qu'il y en a quand même. Parce que si c'est quelque chose qui excite et qui intrigue un peu la face cachée. Oui, oui. Moi, ça m'intrigue en tant que lecteur ou que spectateur ou que je ne sais quoi. Voir quelque chose que je ne vois pas d'habitude, oh. Ça, c'est surprenant. Hein. C'est hyper intéressant, oui, et on a oui. envie de continuer. Alors, moi je voulais dire, parlons de votre personnage. Ouais. Il n'a que le côté extrême du caractère. Que ce soit dans sa façon de vivre, il vit presque à 100 à l'heure. Et il peut avoir quel âge ce personnage? Parce que j'ai pas pu. Oui, mais comme je dis, moi je ne lui donne pas d'âge. Je préfère que la lectrice, que le lecteur s'imagine l'âge. Oui, moi j'ai failli. À lire le livre, moi je lui donne entre 21 et 22 ans. Je ne sais pas. Non. Il est plus âgé. Non, vous dites ça parce que j'ai 21 ou 22 ans. Ah non, je ne sais pas ton âge. Ok. Je ne connais pas ton âge. Ah, ok. Ah. Mais à un moment, c'est vrai. C'est comme si je confondais le personnage. Et toi? Ah ben bah, c'est pas le mais, but. C'est pas le but. Oui, ce n'est pas le même. Hein. Non, ça c'est une fiction. Oui. Complète. C'est une fiction complète. Parce que en fait, tel qu'il est là, si vraiment toi Charlie, tu te comportes comme ça, oulala, c'est du feu. Par exemple, je signale que ton livre ne mâche pas les mots. Hein? Ouais. Les vocabulaires sont crus, durs, hein? Ouais. Même parfois violents. Ouais. Parfois. Dans la culture africaine, si vous utilisez ce langage, ici chez nous, on dit que c'est un enfant gâté, un enfant impoli, c'est un enfant... Hein? Ah oui. Il y a des vocabulaires qu'on n'utilise pas ici. On utilise... Dans la vie de tous les jours, ça dépend des milieux, mais... Oui, c'est ça. Mais je veux dire, ça représente aussi une marge un peu, un pas de côté, quoi. Est-ce que il y a des endroits à Bruxelles, par exemple, où le langage diffère avec le langage populaire de la cité. C'est-à-dire, quand, ici à Kinshasa, si vous allez à Tchangou, le lingala qu'on parle là-bas. Oh. Ah non, mais c'est comme ici. Là, je pense que c'est quelque chose d'universel. C'est que dans une ville a beau être ville. Oui. Elle est remplie de frontières, en fait. C'est ça. On a le quartier plus. Plus riche, la Gombe, je sais pas, oui. Bruxelles, le centre-ville. Uh-huh. Puis après, on a toutes les communes qu'il y a autour. À Bruxelles, c'est aussi des communes. Ah. Donc, on a Bruxelles-ville, donc, qu'on peut comparer à la Gombe. Puis après, on a Saint-Gilles, on a Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek, Forêt, Uccle, Watermael, je sais pas, il y a beaucoup, beaucoup de communes c'est ça. Avoisinantes. Et donc, il y a des communes qui sont forcément riches, des communes qui sont plutôt de la classe moyenne, des communes plus pauvres. Mm-hmm. Et évidemment, donc, la langue change. Oui. La langue change. Pour moi, il n'y a vraiment pas... Je trouve très, très dur la hiérarchie dans les langues qu'on a mis. Que le bon français, ça doit être un français comme ça. Oui. Ce que tu parles, ce n'est pas du bon français. Moi, je suis complètement contre ça. C'est ce que j'ai apprécié dans ton livre. Hein. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Oui, parce que nous, on nous avait appris à l'époque la grammaire française. Le sujet, le verbe et le complément. Alors nous avons ça en tête. Nous aussi. Ah, vous aussi. Mais ici, vous faites fi de ces détails-là. Quand quelqu'un lit votre livre,
il comprend directement le sens. Malgré que les phrases sont en séquence, hachées. À la fin, vous comprenez l'histoire. Moi, dans mon livre, vous avez vu, j'ai respecté un tout petit peu les règles, avec la concordance des temps, etc. etc. Mais vous avez une question, par exemple, qui vous a taraudé l'esprit quand vous avez lu mon roman, qui vous a fondé. Moi, beaucoup de choses. Qu'est-ce que je pourrais dire? Comme j'ai dit, j'aime beaucoup cet aspect de marche. Oui. J'aime aussi la division au niveau de l'espace et du temps. J'aime bien cette spatio-temporalité du roman. Oui. Avec là, ok, hop, on est au rond-point victoire, il est midi 32. Je te signale que j'avais un petit carnet. Oui, je sais bien, il est écrit. C'est autobiographique. Oui, c'est autobiographique, mais il y a une partie aussi de fiction. Oui, évidemment. Hein. Mais c'est moi. Comme toujours. Le personnage qui marche là, c'est moi. C'est ça, ok. Bah oui. Et vous avez lu quelque part les petites pratiques d'escroquerie qui se passent avec... Voilà, c'est ça que j'ai bien aimé, en fait, c'est que... Du coup, on parle de Kinshasa un peu comme elle est. Oui. Et justement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup à Kinshasa, c'est que dans la rue, il se passe 15 milliards de choses. Oui, dans la rue, il se passe... Et on le ressent dans le livre. Oui. On ressent vraiment ça. Et puis, pour un étranger comme toi, tu ne peux pas te rendre compte de ce qui se passe dans la rue. Il y a des opérations d'échange, il y a de toutes sortes d'activités. Clair. Vous avez vu les bannes à vernis, les enfants qui ne vivent qu'en appliquant le vernis à ongles aux femmes et qui gagnent leur vie. Les vendeurs de sachets d'eau. Non, il y a toute une... Toutes sortes d'activités. Une autre économie. Est-ce que vous avez aussi des vendeurs de la rue là-bas des petits vendeurs de la rue qui viennent vous proposer des petits articles. C'est très 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 différent. Très différent. Très très différent. Mmh. Il y en a relativement peu. Mmh. Il y a quelques vendeurs de rue plutôt dans les cités touristiques. Ah oui, c'est ça. Hein. Mais disons dans le commun, il n'y a pas ça. Et c'est presque dommage parce que moi je trouve que déjà, ça permet de ne pas financer des... Bon, ça finance sans doute d'autres, peut-être d'autres choses malsaines, mais on ne passe pas par l'industrie capitaliste, disons. Ah, c'est ça. Ou alors moins, en tout cas... Enfin, c'est sûr, parce que c'est impossible de l'éviter, mais je pense que ça nourrit peut-être plus de gens. Après, là, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, j'ai le sentiment peut-être un peu naïf, mais que de faire les choses autrement, et je me dis que ça sera intéressant d'amener ça aussi en Europe. Après, par contre, on a aussi les réalités que c'est souvent des mineurs qui travaillent dans la rue. Et ça, par contre, c'est très... C'est dur, quoi. Et ton personnage? Oui. D'abord, il dépense son argent à tout venant. J'étais curieux de savoir quel était le travail qu'il faisait pour engager de telles dépenses. Ah, ça, on ne dit pas. Est-ce qu'il a un travail? Est-ce qu'il n'a pas de travail? On ne sait pas. On ne sait pas. À un moment... Bon, là, je vais spoiler un peu le livre, mais le père décède. Mmh. Oui. Et à un moment dans le livre, on évoque qu'il y a 6000 euros d'épargne. Oui. On se dit que... On pourrait se dire qu'il utilise ses 6000 euros, mais on peut se dire aussi autre chose. Mmh. Et justement, moi, c'était mon idée, c'était vraiment de... Comme on pourrait utiliser la métaphore du train qui se retrouve aussi à la fin du récit. Oui, on entre dans un train, on entre dans la vie d'un personnage, et on en ressort comme on ressort d'un train. Et on ne sait rien de plus. Donc son métier, on ne le connaît pas, son nom, on ne le connaît pas. Il n'y a aucun moment eu l'évocation de son nom. On a mis dans la quatrième de couverture C, parce qu'il fallait mettre un nom. Et puis on s'est dit, c'est un peu vendeur, parce que je m'appelle Charlie, un peu le mystère, etc. Mais le personnage n'a pas de nom. Alors je me demande, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce personnage et à décrire ce comportement très extrême? C'était une expérience. Bon, je voudrais savoir ce qui vous a poussé à choisir ce personnage. Parce qu'il faut reconnaître que c'est un personnage, et je ne crois pas si... Il y a une littérature en Belgique qui a un personnage comme le tien, je ne crois pas. Parce qu'il faut lire le livre pour voir que ce personnage est vraiment très, très, très chaud, très, très actif dans le sens du comportement humain. Mm-hmm. Je ne voudrais pas
parler de ces activités qu'il mène dans le livre, hein. Comme par exemple lorsqu'il va se faire cogner, hein, à la boxe. Et puis après, avec toutes ses blessures, bon, il va s'engager dans une histoire de film porno. Alors, ce qui m'a choqué pour notre culture, lorsque la vidéo est sortie, il a envoyé une copie à sa tante. Ça, c'était inimaginable ici chez nous. Mais ici, chez nous aussi. Ah. Chez nous aussi. Non. C'est parce que j'ai écrit ça pour rigoler. Parce que je trouvais ça provoquant, justement. Et je me suis dit, oh, et si là, elle l'envoyait à sa tante, là. Alors, donc, tu peux me dire, qu'est-ce que les lecteurs belges, hein, âgés, peuvent dire quand ils vont te lire? Ça, je sais pas, hein. On va voir. Là, le livre est tout juste sorti, j'ai pas encore eu trop de retours. Parce que du coup, je suis pas sur place, mais c'est sûr que. Ça va faire un peu tiquer, hein. Ouais, ça va rien que mes grands-parents, ça va me faire rire. Parce que. Non, mais c'est sûr que c'est. Ça, c'est... Même quand tu décris ces fréquentations chez les prostituées, ici chez nous, quand vous dites, si ta tante, ou bien ton oncle, ou bien ta soeur lit ça, il voit ton image, il dit, mais comment est-ce possible? Je ne sais pas ce que... Ah oui, voilà. J'aimerais savoir ce que... Mes parents et ma sœur l'ont lu, et je m'entends très très bien avec eux et elles. Donc, ils ont trouvé... Eux ont bien aimé. Et sans doute, ils étaient un peu surpris. Mais ils ont bien aimé, ils ont accepté parce qu'ils sont très ouverts et tout ça. Il y a quelques personnes dans mon entourage... Je ne sais pas trop, on va voir. Oui. On va bien voir de toute façon. Moi, j'aimerais bien voir la suite. Hein, au moment où. Est-ce que c'est au même moment quand il sort ici, il sort aussi en Belgique? Là, il sort en Belgique. Il est en Belgique, en France, dans toutes les librairies. Là, ah, ouais. D'accord. Toutes les bonnes librairies. Ok. Et. Moi, je crois que vous faites partie, ou tu fais partie, des pionniers. Dans son... Je ne sais pas si c'est un genre littéraire ou bien c'est. Je ne sais pas moi comment appeler ça. Moi non plus. Il n'y a pas de nom, c'est pas grave. Hein. Ah. Pas obligé de mettre des noms sur tout. Ah, c'est ça. Il faut laisser des choses. Moi, je trouvais que. Non nommé. Ah, c'est la. Tu es le pionnier d'une littérature post-internet. C'est-à-dire, tu t'exprimes comme on s'exprime sur internet et comme on s'exprime dans les milieux de la jeunesse. Ok. Les gens qui te comprendront, c'est la jeunesse actuelle. Ton style. Tu n'as pas compris alors. Moi j'ai compris parce que je suis écrivain, j'ai eu facilement à comprendre. Mais je sais que la jeunesse qui commence avec le rap, avec l'internet, YouTube et tout ça, ce seront tes grands lecteurs. Oui, je pense aussi parce que. Ouais, aussi déjà moi je suis dans cette jeunesse-là, donc forcément. Je connais plus ce monde-là qu'un autre monde. C'est ça. Et puis ouais, moi j'ai écouté beaucoup de rap. Voilà, c'est pourquoi plein des rap. À un moment, je me suis dit, on peut rapper ce livre. On peut rapper ce livre. C'est très oral. C'est oral. C'est une volonté aussi. Uh-huh. C'est vouloir essayer de rapprocher la littérature de la vie. Oui. Et ne plus la laisser confiner dans un espace intellectuel inaccessible. Non. Inaccessible où il y a les gens. Qui sont là pour corriger la syntaxe, etc. La syntaxe, elle est trifouillée. Oui. Ici, vous êtes partis. Mais quand quelqu'un lit, il comprend toute l'histoire malgré ce style. Parce que c'est quand même de la littérature. J'ai quand même essayé, quoi qu'on. Je reconnais que c'est un peu un roman particulier, mais il reste, je l'espère, littéraire. Quoi. Oui, il est littéraire. Il est littéraire parce qu'on saisit l'histoire. À un moment, on a l'impression de regarder une bande vidéo, tellement que tu décris les scènes. Alors, il y a aussi un travail avec l'éditeur qui a été important. La Grange Batelière, qui est l'éditeur, mon éditeur, avec qui on a beaucoup travaillé pour justement le rendre le plus cohérent possible. Parce des fois, il était teinté d'incohérence ou imprécis. Et ensemble, on a vraiment bien travaillé. Enfin, je suis hyper content d'avoir travaillé avec La Grange Batelière. C'est un éditeur qui t'a été recommandé? Oui, on a parlé en fait. Moi, je l'ai découvert dans un salon du livre. Uh-huh. Et je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de lui envoyer le manuscrit. Mmh. Et j'ai reçu une réponse directement. Ok. Puis on a travaillé ensemble et puis ça s'est fait très très rapidement. Hein. C'était en fin janvier qu'il m'a contacté. C'est quel éditeur d'ailleurs? La Grange Batelière. Uh-huh. Ouais, il a déjà pu. Des jeunes gens.
Les jeunes gens, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a d'un côté donc, cette collection de livres contemporains, mais à côté, il y a aussi des livres classiques. Donc, il y a des rééditions ou des éditions exclusives d'Alexandre Dumas, par exemple. Ah, voilà. Le Comte de Monte Cristo. Monte Cristo, etc. Les Trois Mousquetaires. Voilà. Ça, c'est ce aussi que nous, on a connu à notre époque. Ah, voilà. Parce que je signale que... il y a plus de 40 ans de car entre toi et moi. Ah ouais, clair. C'est ça, et donc La Grange Batelière publie aussi Alexandre Dumas. Quoi. Donc, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est cool. C'est pour ça que je trouve qu'il y a une... Enfin, déjà, moi, je suis hyper content, il y a une vraie ouverture d'esprit de permettre aussi un texte comme ça, parce que même il est en écriture inclusive. Et puis oui, c'est ça, comme tu le dis, il y a une crudité, il y a un peu une genre de folie comme ça dedans, et je trouve ça hyper courageux. C'est ça. Et même hyper novateur de la part d'un éditeur de faire ça. C'est vraiment novateur. Est-ce que tu connais au moins quelqu'un qui frôle un peu dans ce style ici, avant toi? Oui, carrément. En fait, moi, j'avais écrit ce livre il y a déjà longtemps, en 2021, en fait. J'étais encore plus jeune, et en fait, c'est parce que j'avais lu un auteur français qui s'appelle Guillaume Dustan, qui, moi, est vraiment mon auteur préféré de loin. C'est vraiment quelqu'un qui m'impressionne, en fait. Et il avait cette écriture-là qui est très crue, et en fait, il disait tout ce qu'il voulait. Ah bon ? Et dans une langue qu'il décidait, en mettant SVP, en mettant des noms en anglais, en coupant les phrases, il est décédé du sida, malheureusement. Quelqu'un qui était extraordinairement libre dans sa littérature. Et ça, sans frontières. Et moi, je me suis dit, oh, on peut faire ça. Alors, j'ai directement écrit. Après, je l'ai laissé parce que je me suis dit, oh, il est trop crade, ce texte. Et puis, je l'ai repris parce que je m'étais dit, oh, en fait, il est pas mal. Je l'ai un peu adouci, quoi qu'il en reste particulier. Oui. Et puis, je l'ai proposé. Mais voilà, mais aussi, moi, je voulais juste dire aussi qu'il y a une grande crudité, il y a une grande impétuosité dans le livre. Mais par contre, il est aussi doux. À certains moments avec notamment le père. Ah oui. Il y a une relation avec, qui est douce justement. Et qui le rend humain, parce que si le personnage n'était que salaud, cru, enfoiré, connasse, et ben ça ne marcherait pas. Ça ne passerait pas. Là, il devient humain, humaine, parce que il est aussi doux. Parce qu'un humain qui n'est jamais doux, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Mais moi j'ai remarqué que peut-être que tu as frôlé seulement ça, la relation entre le père et le fils. Moi, je pensais que c'était son père biologique, mais tu m'as soufflé après que ce n'était pas son père biologique. Mais c'est un peu ça aussi le cœur du livre. Et c'est dommage que mais ça ton n'a pas été compris. Mais il est adopté, personnage. Bref, ta littérature, on peut, je ne sais pas comment la classer. Elle est là. Moi, je trouve que à partir de toi, d'autres qui vont commencer à imiter ton style. Ah, je voulais savoir si ton écrivain là de France, il était connu aussi en France, ton inspirateur. Guillaume Dustan, là, connu, mais plus pour ses apparitions de télé que pour sa réelle littérature. Ah, d'accord. Ses livres étaient assez peu vendus. C'est ça. 2000, 3000 exemplaires. Est-ce qu'il s'est comporté de la même façon à la télé aussi avec Non, je ne crois pas. Bah, il était libre. Très, très, très libre. Ok. Il y a un équivalent en Belgique de ce monsieur-là? Non, à la télé. Ou bien... Comme ça, je ne vois pas. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est unique. Unique. Vraiment, c'est un... Alors, je voulais savoir, dans la suite de ta plume, tu comptes continuer? Non. Ah bon? je compte... donc je vais continuer à écrire, je ne compte pas lâcher ce style-là que l'éditeur qualifie d'impétueux, très élogieux, et une part de vérité là-dedans, un jet puissant, rapide, séquencé, donc, à l'image un peu d'Internet comme tu as dit, ça je compte le garder, enfin, c'est mon écriture, donc je n'écris que comme ça ou presque comme ça, donc ça je vais le garder. Par contre, pour ne pas m'enfermer dans un genre, justement dans un style, parce que je vois venir ce truc de « Oh, Charlie de Moulin qui écrit des trucs un peu crade, parfois vicieux peut-être, sexuel, drôle, etc. » Je vais essayer de en tout cas pour mon prochain roman, de m'éloigner un peu de ça, parce que pour ne pas m'enfermer dans un genre, moi j'ai montré que je sais faire ça et que j'aime faire ça. C'est ça. Et donc,
Et donc voilà, mais je ne veux pas qu'on me catégorise comme écrivain, écrivain sexuel ou écrivain drogué, enfin qui voilà, ne parle que de la drogue et du sexe. Au risque de te qualifier de cette façon-là. Voilà. Et puis le livre ne parle même pas que de la drogue et du sexe, c'est un prétexte, la drogue et le sexe, pour parler de la consommation presque. Voilà. Alors, de cette volonté de tout de suite. Ouais. Est-ce que vous avez déjà, vous avez quelques manuscrits qui sont déjà prêts à être édités? Ou bien c'est non. encore tout... Oui, c'est encore en travail, j'ai plusieurs manuscrits qui sont par-ci, par-là, mais doucement j'y retravaille, mais là pour l'instant, vu qu'on est dans la sortie du D'accord. livre, je me focalise là-dessus. Voilà, on vient de parler un peu à bâton rompu, ouais. de nos deux mondes. On n'a pas eu le temps de parler assez de... Je crois que l'essentiel c'était qu'on vous comprenne, parce qu'à Kinshasa, hein, on ne connaissait pas la Belgique sous cette... forme ici que vous venez, dont nous venons de parler. Ça reste une marge, hein, c'est oui, pas oui. du tout la majorité. Ah, non, non, je sais. Même ici aussi. Ouais. La société dont, malheureusement, la mienne est majoritaire. Mais nous avons aussi une société comme celle-ci, ici à Kinshasa, comme la vôtre, là où oui, c'est tragique. Partout. Et des majoritaires. Alors, merci Charlie pour ce petit entretien. Ah, merci, avec plaisir. Uh-huh. Et je suis très content, j'ai bien aimé aussi, j'ai beaucoup aimé okay, le chercheur. J'avais d'autres questions à vous poser, mais... Uh-huh. Non, non, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Justement, moi j'ai beaucoup aimé l'aspect descriptif et de vérité, mais et pour moi, en tant qu'étranger, que personne qui ne connaît pas Kinshasa, j'ai particulièrement apprécié, mais je me demande ce que pense un Kinois de ça, parce que justement, il connaît le Kinois, la Kinoise connaît sa ville. Oui, oui. Et vu que c'est majoritairement la description de la ville. Oui, oui. Qui est écrite. Oui, oui, c'est vraiment... Demandez ce que pensait un Kinois, une Kinoise du roman, quoi. Je vais te dire une chose, c'est triste à dire, mais je ne peux pas cacher la vérité. Il y a un adage qui dit, si tu veux cacher ton argent hein, à Kinshasa, mets-le dans un livre, hein, place-le n'importe où. Cet argent-là restera intact parce que... Non, je comprends. Oui. On ne lit pas. À Kinshasa, on ne lit pas. Ah. Au Congo en général. C'est une très mauvaise réputation. Il y a des jeunes qui lisent. Hein. Il y en a très peu. J'en ai quand même rencontré. Oui, oui, il y en a très peu minoritaires. Mon roman a déjà plus de 10 ans. Mais les acheteurs sont toujours de l'Afrique de l'Est, ouais. de l'Afrique de l'Ouest plutôt, surtout. De l'Europe. Mais il n'y a aucun lecteur congolais qui a commandé ce livre, malgré que c'est sur Internet, etc. Mais c'est en général, hein, on ne lit pas, pour que j'ai l'impression du Kinois de ce que j'ai dit. Parce qu'il y a des Kinois qui sont ici, qui n'ont jamais visité, il y a 24 communes, ouais. qui n'ont jamais visité, qui n'ont visité que 3 ou 4 communes. C'est vaste. Oui. Ah, ok. Oui, alors que s'ils lisent ça, ils vont comprendre. Ah, c'est juste. Il y a des gens qui naissent dans une commune, qui grandissent et qui meurent sans avoir visité... Hein, une dizaine ou une douzaine de communes de Kinshasa. Ouais. Voilà, y a... Et ceux-là aussi, ouais, ça c'est vrai, ouais. ceux-là aussi, il y en a qui font même 15 ans sans visiter Gombe. Ouais. Ceux qui habitent très loin, Maluku, etc. Hein? Il y a des gens comme ça. Alors, c'est très difficile. Ouais, voilà. Oui, bah moi j'ai trouvé un billet dedans. Oui, oui. Mais pour un étranger, ce livre est un guide. Hein? Ouais, vous connaissez Kinshasa et sa population. Non, non, c'était... Bon. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci et beaucoup. Bon voyage si tu. Ah, je pars déjà bientôt. Moi, ok. Moi. Dans 10 jours déjà, c'est dans affreux. Dans 10 jours. C'est affreux, mais bon, c'est la vie. Merci beaucoup. Ça passera des belles choses. Merci. Ok. Merci beaucoup, Joseph. Alors, nous venons de terminer notre entretien. Vous voyez que c'était à bâton rompu. Chacun a parlé, a posé des questions selon l'entendement qu'il avait au moment de la lecture du livre. C'est une comparaison entre la société belge et congolaise, mais pas dans le sens classique que nous avons vu en géographie, en histoire et autres. C'est dans un sens carrément naturel et un peu dans la face cachée. Nous tous, dans son livre, Charlie a parlé de le paraître. Nous tous, tous les humains, il y a un chapitre qui m'a beaucoup plu. Tous les humains, nous faisons voir ce que nous ne sommes pas en réalité. Nous paraissons ce que nous ne sommes pas. Alors, nous avons parlé ici des faces cachées que aucun pays au monde n'accepte de montrer au sujet de sa population. Lui, il a parlé de la jeunesse. Moi, j'ai parlé du petit peuple.
Hein? Voilà pourquoi cette rencontre a eu lieu. Merci beaucoup et au revoir.